Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vaincre très facilement les griocs de flammes et autres griocs de façon très efficace et très rapide. C'est parti, direct! Donc, tuer un grioc n'est pas si difficile que ce qu'il semblerait. En effet, si vous vous équipez correctement, c'est même plutôt facile. Peu importe l'armure que vous avez sur vous, comme je vais vous le démontrer dans quelques instants. Il y a malgré tout trois prérequis majeurs. 1. Les éléments que vous allez utiliser contre le grioc que vous allez affronter. 2. L'arc que vous avez, car en effet, ça va peser sur la balance. Et 3. Le repas que vous allez faire avant d'aller vous battre. Donc premièrement, monter sur un dragon. Moi là, je vais aller affronter un grioc de flamme. Je vais donc monter sur Nedrak. Je suis allé chercher un éclat de corne et je lui ai pris sur son dos de la Dracoroche que je vais fusionner avec mes armes avant d'aller l'affronter. J'aurai une arme à une main avec de la Dracoroche de Nedrak et j'aurai une arme à deux mains avec l'éclat de corne. Et en termes d'armes pures, cela sera tout ce que j'aurai à utiliser pour arriver à vaincre le grioc. Pour l'arc, il vous faut soit un arc qui tire trois flèches en même temps, donc un arc linel ou un arc sylvain que vous trouverez dans la forêt Korogu, ou bien encore un arc Yiga qui tire deux flèches en ligne droite, parfaitement l'une derrière l'autre. Et pas plus non plus. Pour bien faire votre équipement avec l'arc, il vous faut également des yeux de chauve-souris. Vous les trouverez facilement, vous vous baladez la nuit dans Hyrule, vous allez voir des essaims de chauve-souris se balader à droite et à gauche, vous les shootez avec de l'électricité, ça les tue en groupe, et de ce fait, vous allez récupérer plein d'yeux, c'est très 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 efficace, et c'est comme ça que vous farmez le plus rapidement possible les yeux de chauve-souris. Si vous avez des yeux de chauve-souris électriques ou de chauve-souris de feu, c'est encore mieux, ou même de chauve-souris de glace, évidemment, utilisez-les à bon escient. Ensuite, il vous faut un bon repas. Faites-vous un plat avec des bananes. Vous prenez 5 bananes, ça va vous donner 4 minutes de boost pour fracasser très efficacement le grioc. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de plus. On va partir là maintenant en guerre, donc je vais vous montrer ce que j'ai sur moi comme équipement. Comme ça, vous allez voir que je ne vous dis pas n'importe quoi. J'ai une masse de Nedrak, vous voyez, c'est une épée royale qui a été amalgamé avec l'éclat de roche récupéré sur le dos de Nedrak. Ok, c'est une bonne arme, mais c'est pas une arme exceptionnelle non plus, mais ça reste malgré tout quand même une très bonne arme. Ok, et j'ai avec ça un espadon royal que j'ai fusionné avec l'éclat de corne de Nedrak. Voilà, et là c'est ça qui me donnera le plus de dégâts. Je vais prendre mon repas quand je vais engager le combat. Comme je vais vous le montrer, le grioc de flamme, c'est celui du pont d'Ilia, je pense que vous l'aurez compris. On est parti, on utilise évidemment le bullet time, on saute du cheval et on s'apprête à lui tirer dessus pour la meilleure efficacité possible. Et on utilise bien évidemment nos yeux, donc on va commencer par les yeux de chauve-souris. Donc moi là, j'ai un arc de linel qui tire 3 flèches, donc ça lui fait un dégât de plus que si j'avais un arc de Yiga par exemple. Mais ça marche exactement pareil. Et voilà, il est déjà stun une première fois. On va sur lui et on le fracasse. Donc, ça lui fait pas 3 tonnes de dégâts. Mais c'est largement suffisant pour l'instant. Là, moi, je suis un peu greedy, je continue à taper. J'aurais pas dû, parce que regardez, il va me souffler. Voilà, je me suis fait envoyer. Mais ça, c'est pas bien grave. On se rééquipe, on reprend un œil, on évite la boule de feu, on lui remet des flèches. C'est reparti pour un tour. Donc vous voyez, si vous vous tenez à distance, en plus les attaques sont assez faciles. Et si vous enchaînez assez vite vos attaques, d'ailleurs il ne vous fait pas les fameux rayons de feu, qui sont si embêtants pour certains. Il retombe et vous le refracassez, tout simplement. Donc la méthode est simple et répétitive, mais efficace. Une fois de plus, je suis greedy, donc devinez ce qui va se passer. Je me fais souffler, bien évidemment. Là, il essaye les lasers, mais je suis trop loin. Il m'a soufflé, donc évidemment, il ne peut plus m'avoir. J'ai bientôt plus assez d'œil, donc je vais changer les yeux de mon côté, comme vous allez pouvoir le constater. On lui met les têtes KO, il retombe. Et on va changer d'arme. Cette fois-ci, on va prendre la grande épée. Et on est parti. Donc là, vous voyez, ça lui fait beaucoup plus de dégâts. On le fracasse. Il n'y a rien de tactique là-dedans. Vous voyez, on y va, on tape fort, on tape vite, on se met vite à l'abri, on ressort son arc, on reprépare des yeux. Donc là, je vais les chercher, je me rends compte que j'ai plus d'œil de chauve-souris,
J'ai plus grand chose dans mon équipement, mais il me reste quand même des yeux, mais pas les yeux que j'utilise d'habitude, mais c'est pas grave, on va quand même les utiliser. Les yeux de Kakuda, on est parti. Les yeux d'Octo, on est parti. Et derrière, j'ai des yeux électriques. Et ça, c'est pas mal du tout, comme vous allez pouvoir le constater. Donc là, il tombe, bien évidemment. Et on le finit. Et voilà. Mesdames et messieurs, c'était pas plus dur que ça. Le Griok fait peur à beaucoup de monde parce que c'est un monstre imposant. Parce qu'on a vu en lui la nouvelle menace au-dessus des Linels. Je trouve sincèrement que... il n'est pas plus dur que les Linels. Je trouve même qu'il est plus facile que les Linels. En tout cas, quand on utilise cette technique-là, c'est pas le monstre le plus difficile. J'ai utilisé exactement la même technique sur le Griok Roi. Et elle fonctionne parfaitement. Donc cette technique-là est adaptable aussi au Griok Roi. Regardez l'armure que j'ai. C'est simplement le pantalon ilien. Et j'ai juste les gants d'escalade. Donc c'est même pas, vous voyez, et j'ai même pas de casque. C'est pas une question d'armure. C'est une question de comment faire le combat. Vous lui laissez pas le temps, vous l'enchaînez avec vos flèches, vous le tapez fort avec une arme qui lui fait mal, sans aller chercher l'arme qui fait le plus de dégâts possible, parce que vous n'en avez pas forcément besoin, je viens de vous le prouver. Et c'est comme ça que vous battrez vous aussi le Griok. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like et à vous abonner, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos astuces sur la chaîne. C'était Brocorse, je vous dis à plus.
Youp.